Bien le bonjour chers amis et bienvenue dans cet épisode avec notre faux Mirage 2000-1 contre les J11. Toujours équipés de la même manière hein, avec leur PL12. Et nous, ce coup-ci, nous aurons nos petits Mika bidouillés par un modeur qui s'est dit tiens, si on implémentait des faux Mika dans le 2000C. Voilà. En gros, on va la résumer comme ça. Hein. Toujours est-il qu'on a essayé de voir si au moins avec ce mode, on pouvait mettre nos missiles au but. Hein. Mais avec du coup pas de TWS, on peut pas faire de tir en TWS malgré tout. Et surtout, donc on va essayer d'aller le plus vite possible parce que là on a un avion très rapide. Le 2000 est très rapide, hein. Ça c'est pas un secret. On est déjà bientôt à Mach 1-2. Là, on va même l'aider à accélérer plus fort encore, vous allez voir. On va baisser un petit peu le nez, voilà. Histoire de lui faire passer le phénomène aérodynamique dit de la bosse de Mach. Je vous laisserai aller chercher sur le net, voir s'il y a des articles qui passent de ce phénomène aérodynamique. Mais bon, ici, on va résumer vite fait. C'est quoi la bosse de Mach? La bosse de Mach, en gros, c'est une réduction de la traînée à partir d'un certain nombre de Mach. Donc là, en l'occurrence, ce sera vers Mach 1.4 environ. Voilà. Hop, on vérifie qu'on n'a pas de taf. On n'a pas de taf, hein. Et donc là, c'est comme si, comme les autres avions, c'est comme si on n'avait pas de liaison 16, de liaison de données. Donc on peut se fier qu'à notre radar, qui est quand même assez performant maintenant, faut l'avouer, sur le 2000. Et maintenant qu'on a assez de vitesse, je reprends le parti de monter en altitude. On voit que sur l'avion leader, on est déjà à 30 nautiques. On se fait déjà lock par le premier, donc je perds pas de temps, je tire tout de suite. Alors vous voyez, le mode Mika, les missiles font des gestes, enfin des mouvements assez brutaux, ce qui est pas terrible ça pour la conservation d'énergie, mais bon, c'est un mode, voilà, faut faire avec. Deuxième missile, pareil, et là je prends la décision de partir tout de suite sur le côté parce que faut éviter de se prendre une petite bûchette des familles qui arrivent. Voilà, puis on a tiré des Fox 3, donc on les laisse se débrouiller. Donc là, l'alarme que vous entendez, c'est une alarme qui dit qu'on va trop vite. Effectivement, là, de 750 nœuds, vous avez une alarme envoyée en LIM pour les limitations avion. Donc là, on est en train de faire fondre l'avion, en gros. Mais bon. Je préfère faire fondre l'avion, pour de faux, que de me prendre vraiment son Fox 3 à l'huile. On verra que les flares, c'est pas. C'est pas efficace sur le. Sur cet appareil. Un petit check, un petit coup d'œil derrière pour voir ce qui se passe. Pas grand chose. On voit qu'il reste un S. Peut-être même deux. À ce moment-là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour les bandits. Là, on largue le bidon, voilà. Essayer de gagner un max de vitesse. Toujours deux Sukhoi derrière, on dirait.
C'est même pas certain en fait. Comme je vois pas de splash, c'est assez complexe. Mais a priori, oui, il y en aurait bien eu aucun de killé. Donc bon. Eh ben, on va se préparer, pardon, à repartir offensif. Là, j'avoue qu'en termes de tactique, ça a été un peu improvisé, hein, ce combat. Hein. Je savais vraiment pas comment faire. Hein. Avec ces IA surdouées, là. IA, pardon, bot. Je vous ai déjà dit que je dis bot parce que c'est tout sauf intelligent, les bots de DCS. Donc là, je suis déjà supersonique et en plus, on est prêt. On est à 15 nautiques. Donc bah là, on va en tirer un parce que... Ouais. Hop, et tout de suite, on défend. Tout de suite. On a un Fox 3, on est dans le range. Normalement, il va y aller, celui-là. Donc, on défend. On cherche pas. Là, on va voir qu'avec le 2000, en fait, l'un des gros avantages qu'on a quand même, c'est que ça consomme pas trop. On est longtemps sur la PC. Et pourtant... Voilà, là, il est là. Et il est splash. On a eu de la chance, hein, je pense. Mais on en a splash 1. Splash 1... Allez, le deuxième maintenant, on va le trouver. Donc je disais, ouais, le moteur il consomme pas trop, donc on peut se permettre d'être longtemps sur la PC. Et en plus de ça, on a un avion très rapide. Et là, comme on dit souvent, hein, la vitesse c'est la vie. Donc là, on se fait lock, mais je le vois pas. Donc bon, c'est compliqué. Hein. Donc on fait demi-tour, on cherche pas. Je suis no joy sur le bandit, je cherche pas à aller me faire éclater. Je sais même pas à combien en distance il est. Par contre, là, on voit que je suis en cil en bas. Pourquoi? Avec le carré PCM, bah, j'ai allumé le brouilleur. J'ai utilisé le brouilleur sur ce combat pour voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression que c'est plutôt efficace parce que le lock est défait. Et ça, ça l'a bien embêté. Là, j'ai vu l'île là-bas, je vais aller me cacher derrière. Je vais utiliser le peu de relief que j'ai ici pour pouvoir me sauver. Là, voilà, on va se mettre mini PC, on va, enfin milieu de PC, on va essayer de conserver cette bonne vitesse. Lui, pour le coup, je pense pas qu'il pourrait me rattraper en si basse altitude. Hein. Donc là, je vais faire un petit S, j'essayais de choper un visuel sur le bandit. Et c'est compliqué parce qu'on ne le voit pas du tout. On le voit au RWR hein, pourtant, et le RWR semble indiquer qu'il est vraiment pas loin. Bon, on va continuer, on va déjà commencer à se mettre en sécurité, on sait jamais. Et là ça va être épique, je vous préviens. Accrochez-vous. Parce que ce qui va suivre va être vraiment épique. Donc, toujours pas de Tali. En Italie, c'est quand on a le visuel sur un avion hostile. Et pourtant, voilà. En RWR, ça lock là. Là, il n'y a plus de RWR. Plus de signal. Donc, il est peut-être cold. En tout cas, il est censé être dans les parages. Hein. Je me suis mis en mode SVI. Le mode SVI, c'est un mode qui lock automatiquement à 10 nautiques. En gros, qui regarde un peu devant et un petit peu plus large. Mais voilà, là, du coup, je l'ai enlevé le mode parce que le problème, c'est qu'on ne voit que un avion qui pourrait passer dans la VTH. Et là, tout de suite, cherche pas. Ouais, offensif à mort. Je relock. Le problème, c'est que bah ça lui indique que je suis là, donc ça lui fait « Coucou, je suis là, moi !» Voilà, et du coup, lui, en plus, il brouille, hop, et on tire. Fox 3, allez, lui aussi, il va loquer. On fait demi-tour.
Je crois qu'il va tirer aussi. Et finalement, non, il va pas tirer. Attends, je le voyais là-bas dans le nuage, je sais pas si vous avez pu le voir. Commit, on surveille ça. On a 7 nautiques, c'est très dangereux. Mais il est toujours debout. Hein. Toujours prêt. Ah, puis là, je l'ai perdu. C'était vraiment pas le moment de le perdre. Je pense qu'il a plus de PL12, hein, parce que sinon, il aurait dû tirer là. Et il tire pas. Donc là, on va arriver à un merge, mais le problème, c'est que on arrive beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, il y a trop d'énergie là. Donc on va le... On va essayer de le maintenir. On va essayer d'être dans une control zone avant de se placer pour faire un tir. Là, on a croisé, il est derrière, ok. Il est dans nos 6. On avait perdu le Tali, hop, on va essayer de le récupérer. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Il était tellement compliqué ce combat que j'avais du mal à vous commenter. Vraiment, honnêtement. Donc je préfère au cas où il tire un Fox 2. Hein, parce qu'évidemment, c'est pas quand je me le serais pris qu'il faudra se dire ah bah mince, j'ai pas flairé. Et combien tu paries que le fichier track il est daubé? Ah non, il est pas daubé, il est là. Ah ouais, j'étais bien tumble là. Pour une fois, il est pas daubé. Donc il est là. C'était compliqué hein, de se retrouver, mais on y est. Là, moi je suppose que ouais, il a tiré. Ah, il a tiré là. Allez, Neba, PC, PCM, c'est le moment là de mettre le brouilleur, s'il te plaît. Je l'ai pas mis, je suis un peu bête. C'est très très dangereux ce qui vient de se produire. Mais on y est arrivé. Ouais, le missile est allé dans l'eau, mais il est pas passé loin. Hein. A savoir, j'ai un pod lance-leur éclair où j'ai mis 48 flares, hein, donc j'ai de quoi flairer à mort. C'est une sécurité, hein, donc devant ce genre d'appareil. Et merge, là ce coup-ci on y est. Bah lui il merge supersonique. Ouais. Voilà, alors ça. Des trucs à éviter. Là, j'ai essayé quand même de faire une espèce de pas de barrique, mais voilà, de me replacer bien dans ces 6. Pas tout de suite, vous avez vu, il tire des flares. Donc là, si je tire un Mikaïr, il va, vous allez voir qu'il va aller dans les flares. Hop. En sachant qu'il n'y a plus un seul missile moderne qui fait ça. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et là, il a plus de flair. Et ce coup-ci, c'est pour lui. Et splash tout.
splashes tout, il reste 550 kilos. Il était temps que ça s'arrête. Voilà, alors là, vous avez eu un combat aérien complet, hein, de A à Z. On est passé par toutes les phases. Donc c'était vraiment épique et compliqué. Tellement épique que vous avez vu, même dans les commentaires, j'ai eu du mal à m'y retrouver. Hein, donc bon. Et ben, hein, si ça vous dit, on va se mettre un petit tag view, je pense. Voilà, vous faites ça. Hein, parce que là, ça vaut le coup quand même. Bref, petit tag view, et puis si c'est pas petit tag view, moi je vous dis à une prochaine, ciao, bye bye. Bon allez, petit débrief tag view rapide, pour voir un peu ce qui s'est passé d'un point de vue plus extérieur. Donc on tire un premier Mika qui va bizarrement perdre complètement sa cible. Pas bizarrement, oui et non, puisque en fait moi j'ai fait le choix de partir bas et de pu désigner les bandits, hein, normal, histoire de pas me prendre ce SD-10, hein, ça va de soi. Mais on va voir que j'ai quand même un des deux missiles qui a repris un track sur ce J-11. Bon, ils étaient en bout de course. Hein. Là, les modes missiles Mika sont n'apportent pas un gain significatif en termes de portée. Hein, vous voyez, c'est pas du tout ça la portée de ces missiles. C'est plus à voir comme un missile de... Voilà, vous êtes à 15 nautiques, vous êtes dans la mare, c'est tu shootes et tu te barres. Le plus rapidement possible. Et là, pour le coup, ça marche très bien. Voilà, on a shooté, on s'est barré. Et donc, on a eu le premier comme ça. Là, on voit que bah, j'ai du mal à retrouver un lock, etc. Et on va se retrouver presque dans le même cas de figure que juste avant. Bah, la différence, c'est que là, il lévite très bien mon missile, il a fait un très bel abort. Hein, c'est pas mal hein, pour un bot. Donc là, bah, je balance des chaff, mais c'est pas très utile. Et là, c'est lui qui shoot. Il shoot vraiment très près. Hein. Il a tiré à 7 nautiques à peu près. Ouais. 7 nautiques, le tir, on l'évite. Voilà, on l'amène dans l'eau. Très bien. Et là, on va merger, et après, bah, l'histoire, vous la connaissez, vous l'avez vu en direct, hein, c'est les Fox 2, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que ben, ces missiles, ces modes Mika, c'est un mode, hein, d'accord. Donc, ça fera pas de tour de magie par rapport à ce qu'on a déjà avec le 2000C. La seule différence, c'est que ils vont avoir moins d'allonges. Mais par contre, ils vont pouvoir choper des locks et puis vous allez pouvoir repartir cold et vous défendre vraiment. Voilà. Moi, écoutez, j'ai fini pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. À bientôt, les amis.